Allez, on est parti. Donc, nouveau jeu en VR. Vous le voyez, c'est Hellblade. Donc, un jeu qui commence à dater maintenant. Je vous présente vite fait en vidéo parce que je ne l'ai pas testé encore. Je commence juste la partie. Et d'après ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment un jeu qui vaut vraiment le détour. Alors, il n'est pas natif en VR. Il démarre juste, il y a une conversion. Donc, je l'ai eu pas cher. Je crois que je l'ai eu à 10 € sur Steam, 10 ou 11 €. C'est pas à proprement parler. La VR à la base, il n'a pas été pensé pour. Alors, où es-tu? Mais je vous laisse voir déjà l'introduction. Alors déjà, je peux vous dire deux choses très rapidement. Au niveau graphisme, c'est une tuerie. Les détails, tout est super bien fait. Alors là, on est dans la cinématique. C'est du in-game, c'est-à-dire que c'est le moteur graphique du jeu. Le son spatialisé, mais les voix arrivent de tous les côtés. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? She's in hell high. Look, up ahead. You see it too. You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Turn back. Go back. Go back. Go back. It's not safe. Bon, on est clairement parti sur quelque chose d'assez sombre. Pas en aspect, dans l'aspect graphisme, mais plus dans la partie artistique. L'ambiance sonore, vous l'entendez comme moi, elle est assez grandiose. Alors, il paraît que certains sont un peu malades avec ce genre de jeu. Parce que de tête, je crois qu'on voit son personnage de derrière. On va vite voir ce que ça donne. Là pour l'instant tout est calme. Donc, je rappelle, hein, je suis avec le Valve Index, donc au niveau son, eh ben, on est juste parfait. Ah, l'orage là qui donne juste derrière. Les éclairages, la brume. Ah, je vous le dis, hein, c'est une découverte en live, donc vous avez vraiment mon ressenti direct. En plus, il est sous-titré français. Je m'en suis plaint sur, je sais plus, une vidéo YouTube ou je sais plus, de TR, de Nick qui avait fait peut-être un test d'un jeu, et j'avais reproché sur les gros titres AA, triple A même, de pas avoir de. Au moins avoir un sous-titrage français. J'ose espérer que le futur et le prochain Half-Life Alyx soient en français. Alors si c'est pas au moins les voix, ce sera au moins les sous-titres. Bon là clairement on va arriver, je pense.
dans le vif du sujet. Et encore, hein, comme je le dis souvent, très difficile de vous faire ressentir et de vous retranscrire ce qu'on voit dans le casque pour ceux qui n'ont jamais fait de VR. C'est... Si je bouge la tête, c'est pas pour vous montrer, c'est que moi-même je regarde le paysage. C'est de la 3D, donc vous avez l'impression d'être dans le bateau avec le personnage principal. Alors, je sais pas ce que c'est cette vue en cinémascope. Je vois pas ce que vous avez comme rendu dans le casque. Donc on arrive sur la terre ferme. Je pense que le jeu va démarrer là. Voilà, on passe en game. Donc, moi je suis avec la manette Xbox. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. She needs to focus now. She needs to use her eyes. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Nine. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. Alors, je vais juste essayer de changer quelque chose. Là, on peut, direction du casque, choisir le... la direction que va prendre le personnage en tournant la tête, donc on va regarder si c'est mieux. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north. Ça change pas grand chose. Par contre, il va pas falloir qu'il parle beaucoup, les courses continuent toujours. On va essayer comme ça. After 9 nights of riding, you will follow a great river. Ah oui, en fait c'est moi qui dirige le personnage. Bon, c'est pas forcément... pas forcément intéressant. Allez, on va remettre non l'angle. Est-ce qu'on peut mettre en continu? Ouais, moi je préfère que ça bouge. Ça, je choisis si je bouge doucement ou pas. Bon, je me répète, hein, mais alors graphiquement, on va voir dans le gameplay, hein, mais là pour l'instant,
Oh putain, j'avais pas vu. Je suis dans l'eau, j'entends des voix de partout. Oh putain, sérieux. Alors prouvez que si le jeu était prévu à la base en simple et non VR, bah, il est possible de faire des jeux splendides en VR. Là pour le coup je suis peut-être. Vous allez peut-être me sentir trop enthousiaste, mais Ah, l'ambiance est oppressante, c'est. Donc ça, je pense que c'est les esprits, la vision. Quand ça passe en cinémasque comme ça, c'est la vision des esprits, je pense. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Donc il y a moyen de courir. Alors vous allez pas le voir, mais ils ont poussé le vis jusqu'à bouger la tête en fonction de où je regarde en fait. C'est. Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim, and that is where you must travel. Ok, il faut aller au royaume des morts, magnifique. Donc
là, on va commencer un peu la partie plateforme. C'est là, on va voir si c'est pas trop difficile à appréhender au niveau cinétose et tout ça. Donc, bien que je suis pas trop sensible, ça reste un jeu qui a été adapté VR. Donc voilà, tout n'est peut-être pas parfait. C'est un monde, je vais pas dire ouvert, mais assez grand. Donc ça peut tourner. Gros avantage, c'est que je suis assis, donc. Alors j'ai une épée, mais pour l'instant je peux pas m'en servir. Clairement, dans cette vue-là, on repasse en 2D. On voit la différence. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Donc là, je sais pas si vous le voyez, pareil, hein, c'est de la 3D, donc je sais pas ce que vous avez en retour dans le casque. J'ai un symbole en surimpression, et je me demande s'il faut pas le placer quelque part.
quand même. J'ai enfin trouvé. Enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. C'est éclair, mais ça, ça rend dans le casque, c'est juste énorme. De toute façon, tous les effets en VR sont bien plus perceptibles que sur écran. Is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Donc là, je pense qu'il va falloir descendre. Je pense qu'il y a peut-être juste une vue à voir ici. Voilà, ça sert de petit temps de chargement, je pense que ça modifie un truc dans la map. Donc c'est un mélange de genre, il y a un peu de Tomb Raider. Allez, encore une petite cinématique. Alors pour l'instant je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger la caméra. On est revenu en 3D mais j'ai accès à rien. Ah, elle s'approche mais juste à côté, c'est saisissant. On dirait que je joue le rôle de l'esprit en fait qu'elle m'a vu. I beg you.
sister anymore. Just give him back. Voilà, est-ce que ce sera le premier combat ? Alors voilà, je viens de trouver comment on paraît. Même au niveau des combos, il y a des choses intéressantes. On peut parer assez. C'est dynamique. Voilà, à mon avis, de toute façon, je devais perdre. Oh, la boue. Ah, j'en reviens pas, les gars. Désolé, mais... Putain de claque là sur le début de cette aventure. Alors bien sûr, j'ai le Valve Index avec une RTX 2080, donc forcément, elle n'est pas en forme, madame. Ça permet de pousser les graphismes au maximum, même si j'ai quelques petites baisses de framerate. Mais pouf. A vision of what's to come. Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Ok, bien compris. Hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not leaving. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire.
Zurt and the god of illusion, Valravn, spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. D'accord, donc je pense qu'il y a deux étapes à franchir avant de pouvoir ouvrir la porte. Je ne sais pas du tout comment on sauvegarde, comment se passe la progression. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Donc là j'ai ma petite application FPS VR, je sais pas si vous connaissez, qui me permet de voir en temps réel en fait les FPS comment ils tournent, la carte comment elle est consommée. Je conseille vivement à ceux qui ont la VR, vraiment très très utile. Alors par exemple, est-ce que je peux sauvegarder ici? Je ne sais pas, c'est une bonne question. On va continuer encore un peu. Il n'y a pas de carte. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire un monde ouvert. C'est un jeu où t'as même pas forcément envie de courir, tellement il y a de choses à voir, à apprécier. Je bouge pas trop la tête hein, pour que ça reste agréable pour vous à regarder. La partie combat, de ce que j'ai vu, ça me paraît vraiment dynamique, vraiment pas aussi simpliste que ça, donc ça peut vraiment être pas mal. En tout cas, si j'avais un choix à faire sur le début de jeu, à savoir si j'en fais l'acquisition ou pas, clairement là pour l'instant je vous dis oui, parce que ça m'a vraiment bluffé. Hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Donc là, je pense qu'il est en train de me dire qu'il faut chercher ailleurs. Il faut aller certainement là-bas au bout. Donc des jeux de ce type en VR, j'en ai fait quelques-uns. Mais bon, ils étaient clairement pas à ce niveau-là. Et dans tous les sens, hein. Je parle qu'au niveau graphisme, au niveau immersion, ça n'avait rien à voir. Bien sûr que je vais le pousser. Je peux y passer, hop. Non. Bah, la porte est ouverte là-bas, non? Où elle est? Bien sûr, hop. Ah, ça fourmille de détails, hein, c'est... Les
particules qui volent, les plumes, enfin les feuilles. Là, je pense qu'il va falloir aller ici, vu qu'on arrive sur un cul-de-sac. Donc on utilise la touche pour se concentrer. Hop. Bon, il faut simplement pousser peut-être. Ouais. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless. Pas beaucoup de choix non plus ici. All that lurks within it. Can see you too. Ah, ça sent le combat, ouais, ça sent le combat. Donc il y a un bouton pour parer, voilà. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je ne peux pas me déplacer. Pendant que je pars. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, là vous voyez, j'ai paré en même temps. Ça me permet de contre-attaquer juste derrière. Voilà. On peut charger, coup de pied. Je sais pas combien ils sont. Et pour l'instant, ils sont assez faciles. Ça me semble bon. Bon, il va falloir que les ennemis soient un peu plus diversifiés. Les décors, tout ça, donc ça on verra au fur et à mesure de l'aventure. Que déjà le thème, moi, me plaît. Bon, il va falloir que les ennemis soient un peu plus diversifiés. Les décors, tout ça, donc ça on verra au fur et à mesure de l'aventure. Que déjà le thème, moi, me plaît. Direction artistique, il n'y a aucun souci. Donc là, pareil, il va falloir, je pense, mettre ça à un endroit. Il faut aligner les symboles. Ici peut-être. Le problème c'est qu'on peut ressortir aussi, donc la question c'est jusqu'où on peut aller. Non, c'est plus ici. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur. Aligne les corbeaux.
Peut-être dans l'autre sens. Peut-être comme ça. Faut monter. Non. Toujours un petit peu pénible ça de trouver un peu le ce qu'il faut exactement faire. Alors on y va à tâtons. Ouais, il faut peut-être monter hein, pour aligner la barre en haut. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il faut monter. Et certainement revenir sur ses pas. Pas réussi à monter ici. Ou alors ce sera pour descendre. Peut-être monter là. Ou alors faut revenir de l'autre côté. On va essayer ouais, de l'autre côté je pense. Pour arriver juste en haut. Ça paraît un petit peu bizarre quand même. Ouais, je peux pas aller par là, donc ça paraît bizarre de revenir complètement en arrière. Non. Non, c'est pas ça. De toute façon, je peux pas y aller. Ça, je peux pas grimper là-dessus. Non. J'aime bien dans certains jeux, en fait. Il y a des petits indices par-ci par-là. Ah, clairement, je crois que c'est en haut, hein, mais.
Bon, on va essayer de revenir quand même. Parce que là, j'ai un gros doute. Ça paraît bizarre, mais je me dis, si je peux pas revenir, il va peut-être pas me l'autoriser, donc... Je peux aller par là. Je ne pense pas. Non. Qu'est-ce qu'il me reste comme choix ici? S'il y a que la porte, effectivement, c'est pas la peine. Je pense pas que ce soit ça. Non. Donc faut bien revenir. Il y a bien quelque chose à faire là-bas. C'est incroyable d'être embêté avec une si petite pièce. Il y avait quelqu'un là-bas en haut qui n'y est plus. C'est le même symbole.
T'as pas genre l'alignement des trois Ah, peut-être vu du haut. Attendez, ouais, y a un chemin là. Ok, donc ça c'est fait. Les mouvements, etc. Des combats, je les trouve hyper stylés en fait. J'ai l'impression de faire des trucs épiques alors que je fais clic gauche, clic droit. D'autant j'entends espace pour esquiver. Corbeau. Aligne les corbeaux. Aligne les corbeaux. Alors. Maintenant. Bon, on va passer voir cette. Il était très bien, donc ça doit se faire. On va voir sans avoir vu cette porte. Qu'est-ce que tu veux que je regarde exactement? Est-ce que tu veux que je regarde à travers ça? Ouais, c'est ça, c'est ouvert là-bas. J'interagisse avec. Parce qu'il va attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, alors là le mur il est fermé. Là il est ouvert, ok. Depuis tout à l'heure je cherche l'accès. C'est déjà la deuxième fois que je passe par une porte. En fait pour déverrouiller un accès, donc voilà. Bon je vous cache pas, hein, vous l'avez peut-être vu, je vous ai fait un cut parce que ça fait un quart d'heure que je tourne. À mon avis comme je l'avais dit, on peut aligner par ici en haut. Voilà. Tout simplement. En fait, j'avais l'idée, mais je savais pas comment le faire. Into another world that looks the same, but
feels different. In a lost world, where the forest itself is watching. Alors là, tu sais pas trop où aller. En fait, quand t'as pas de carte, tu sais pas trop où te diriger. Si ça se trouve, c'est juste des éléments de décor et je peux pas aller plus loin, donc je vais déjà aller plus ou moins à l'essentiel, donc c'est-à-dire à la porte. Bon, bah, visiblement, c'est la même chose, donc il va falloir que j'y aille là-bas tout en haut. Tout en haut. Comment arriver là-bas en haut? Aucune idée. Ah, donc il faut aller là-bas, je pense. Là-bas en face, ouais. C'est la porte qui ouvre. Comme tout à l'heure. Comme si je m'en doutais pas. Bon, vraisemblablement, on va faire le tour. Alors ça, encore une fois, c'est pareil. C'est une... pas dire que c'est une porte, mais on dirait que c'est un accès pour débloquer quelque chose. Là, j'ai pas l'impression. Ah bah encore une fois, regardez, fermé et ouvert. Pas mal fichu comme système, mais on peut vite se faire avoir. Là, je peux descendre. Donc là, pareil, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, je crois que vous le voyez là-bas. Fermé, ouvert. La question c'est, est-ce que c'est pas d'où je viens? À force, je suis perdu. Non, je suis derrière la porte, d'accord. L'échelle. Those who make it back
Oula. On va essayer d'aller là. Non, je ne pense pas que ce soit par là. Je reviens de l'autre côté, donc... Voilà, donc voilà la porte en fait, il indique directement. Voilà, ça va m'ouvrir la porte. Est-ce que je peux descendre là? Non, je ne peux pas descendre, donc ce qu'on va faire, on va redescendre par là. On va ouvrir la porte et je pense qu'on va se laisser là. On va descendre derrière la barrière, je pense, ici. À mon avis, on peut descendre. Bingo. Par contre, comment revenir ? On va faire tout le tour. Je me méfie toujours. Ouais, donc en fait ça paraît grand, cette espèce de liberté de mouvement, mais en fait on est quand même assez limité. On voit tous les corbeaux là-bas en haut. En tout cas c'est très... C'est très détaillé, très fourni. Hein. Au niveau réalisation, c'est certainement l'un des plus beaux jeux VR que j'ai eu à tester. Quand je parle de jeu, c'est vraiment de jeu, hein. C'est pas une démo. Ah, j'avais même pas vu, donc du coup maintenant il y a l'escalier qui permet d'aller tout en haut. On peut chercher un moment hein, parce que j'ai pas forcément vu qu'il y avait le... Moi j'étais là-bas tout en haut, je sais pas si vous vous rappelez. Et je sais pas si à un moment j'ai vu le... L'escalier apparaître, voilà, là c'est bon. Qu'est-ce qui nous attend derrière? Surprise! Ça, ça s'assombrit clairement. De toute façon, je pense qu'à la fin, il va falloir battre un boss, je pense. Donc c'est sombre pour moi, donc je pense que c'est sombre également pour vous dans le casque. Oh putain, je l'ai pas vu arriver. Mais.
Allez, viens, petit. Ah oui. La petite astuce. Les ennemis là sont pas très difficiles, donc on, je vais pas dire on peut brûler, mais voilà, c'est pas très compliqué. Et bon, il y a le mérite au moins d'avoir cette partie là, partie combat. Je sais pas si par la suite on aura des outils, des armes supplémentaires, des boucliers ou des choses comme ça. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The old father. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones. Donc là, into strangers. Je peux aller peut-être par là. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. L'héroïne me rappelle un petit peu la salle de Horizon Zero Dawn qui est sortie sur PlayStation, PS4. À mon avis, c'est par là. Tout en haut. Il y a pas mal de petits personnages, à espérer qu'ils vont pas se réveiller. Ah, tu m'étonnes qu'il y a trop de corbeaux. Ah non, c'est ça, je deviens fou. Oh putain, il faut vraiment faire ça. Which forest?
forest in the wilds. The wilds. She left the wilds. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Ouais, en fait, c'est beau, mais je peux pas descendre. Donc là, c'est ouvert. Peut-être qu'il faut que je fasse le tour. Là, je ne pourrais pas descendre. Non. Ce que je vais faire, peut-être que là-bas également, il y a quelque chose à ouvrir. On va regarder tout de suite. Je pense que oui. Dans quel sens? Ouais, c'est ça. Je peux peut-être passer par là d'abord. On va regarder. Hop, ouais. En fait, il y en a à aligner, mais ouais, tu sais pas où, tu sais pas comment, tu sais pas quoi. Là, je vous avoue que c'est les phases de jeu qui m'intéressent pas plus que ça. Non, je pense qu'il faut aller en haut. Je vais pas monter. Si. Voilà, donc là ça doit être déjà le premier élément. Le pont, je pense que je peux le pousser. Je suis totalement perdu. D'accord, donc là il y a la porte, on a accès à la porte. Et je pense qu'il faut que j'aille en face. Et d'ici, je dois pouvoir monter. Eh ben non. Ou alors de par là, peut-être. Eh ben non. Lui, je peux pas le faire tomber, lui, ce pont. Pas l'impression.
pas monter. Yes, en voilà un. The gate is open. Open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill. Bon, il m'en reste un à voir. Yet. Or not, juste que je trouve pas où passer. I think it's time. Only when she is at her weakest will it strike. Will she find Dillian before her time comes? Ici, est-ce que je l'ai faite celle-ci? Non. Ça me donne justement le pont. Là-bas, je vais pouvoir le pousser. Ici, est-ce que je peux y aller? Donc là-bas, j'ai ouvert par le biais du portail. Je vais pouvoir monter. Hop. Passer par là aussi. Ouais, il y a plusieurs choix. À mon avis, c'était plus de l'autre côté, parce qu'il y a encore un portail qui va encore débloquer quelque chose. Ça doit pas être par ici. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains from clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ok, ok. Bon, on va revenir de l'autre côté. Essayer de trouver le dernier alignement. Que je puisse monter, mais alors par où? C'est bizarre que par là il n'y a rien. Pas normal là. On y accède là. Je suis pas allé là. Ah, des fois tu passes à côté de choses.
Et je pense que... non, il me semblait, mais non, je peux pas monter là, c'est bizarre. Ouais, bizarre. J'ai bien l'impression que c'est par là que je dois aller. Alors, je vais peut-être déjà ouvrir là, parce qu'elle était bloquée de ce côté-là. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Du coup, là, ça s'est refermé. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison, vu que là, maintenant, j'ai ouvert. Il doit y avoir une échelle ou je sais pas. Bon, bah non. Ah mais si, du coup ça s'est fermé en haut, donc je peux monter. Putain, il est malin ce Seb. Voilà. Du coup... Là, ça m'a enlevé d'autres... symboles. Il reste 3, mais ils sont où? Looking back, it was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. Alors, il en reste 3. À moins qu'il y en avait 3 à faire, je les ai déjà ouverts. Parce que je les vois pas les autres. Bon, clairement, à mon avis, ça doit être bon. Si ça s'ouvre, j'ai eu du bol. Ouais, j'ai eu du bol. J'ai pris les bons tout à l'heure, du premier coup. Alors ça, c'est de la chance. Pareil, ça sent l'alignement. On va juste pour le fun. Voilà. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Alors pourquoi permettre d'aller là? Je pense qu'il faut ressortir, à mon avis.
Alors ici, justement, ça va nous ouvrir quelque chose là-bas au bout, je suppose. Ouais, ça va nous donner accès. Allez, on refait le tour. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold. Il n'y a rien d'autre ouvert, donc on va aller directement ici. For a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. Donc là, j'ai accès, je pense, de l'autre côté. What was Findon? Là, je peux pousser. But from the flames, a new man. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que je peux aller sur l'arbre, à mon avis. Non. Non. Je ne peux pas y aller. Pas pourquoi j'ai ouvert ça. Parce qu'il faut que je retourne changer le... l'accès. Très bizarre. Ouais, clairement, vous voyez, hop. Là, vous voyez la vision. Et là, dès que je passe, hop. J'ai l'arbre qui est apparu, donc on peut venir ici, et ça sent l'ouverture de porte tout ça. On va arriver en haut, alignement des trois corbeaux, ou trois symboles, hein, comme vous voulez. Oh là, ralenti là. Oh là. Doucement. Voilà. Ouais, ça va être certainement la fin du premier chapitre. Attention derrière. Ouais. J'avais dit. Like I have taught you to,
You will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Comme je l'avais dit, ça sent le boss. Ouais, il a pris une autre apparence. Ah, c'est plus facile à deux. Hein. D'accord, donc avec la stick de droite, je peux focus sur un des deux. Je peux utiliser cet outil là pour retarder le temps, figer le temps même. Allez. Ah, il a repris une autre apparence, salopard. Bien chaud là. Allez, on va essayer de le bloquer. Bon, bah loupé. Ah, fichier.
You can do this. Focus. Hogan. Putain, je crois que je l'ai eu. Eh ben. Victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. She would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Bon ben voilà, je crois que c'est la fin du premier chapitre. On vient de débloquer une partie de du scénario. Une des deux branches qui permettait d'accéder. Alors vous l'avez compris, hein, je suis très emballé par le jeu. Ça, c'est la première heure. Il y a même peut-être un peu plus d'une heure que je joue. Environnement, graphisme, ambiance sonore, sous-titrage français, combat dynamique, monde, je vais pas dire ouvert, mais assez vaste. Non, franchement, très très emballé, en tout cas par le début de ce jeu, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Pour ceux qui aiment la VR, qui sont pas trop malades, ça vaut le coup. Alors par contre, je ne sais pas en termes d'enregistrement s'il y a quelque chose à faire, parce que dans les options, il n'y a rien de plus. Mais en tout cas, laissez-vous... je vais pas dire avoir, mais tenter par ce jeu. Ce qui en vaut clairement le coup. Donc je ne sais pas si je ferai les autres chapitres. Et on va se laisser sur ce paysage et sur cette ambiance. Et puis je vous dis à la prochaine.